Dans le dernier épisode, j'ai prouvé que lorsque des monstres apparaissaient sur Minecraft, ils apparaissaient aussi dans la vraie vie dans mon appartement. J'ai réussi à faire apparaître la poupée de Squid Game et Huggy Wuggy. Et aujourd'hui les abonnés, je veux voir Huggy Wuggy ou un autre monstre de mes propres yeux. C'est en effet le plus gros objectif de cette vidéo et j'espère bien l'atteindre. Tout de suite, je vous montre tout ce que j'ai mis en place pour que ça arrive. C'est parti, let's go. Première caméra, vous êtes habitués, elle sera située devant ma porte d'entrée. Puisque derrière cette porte se trouve une cage d'escalier où se passe pas mal de choses paranormales. On va ouvrir la porte. Voilà. Et voilà ce qui se trouve derrière. Donc voilà la caméra 1. Là je viens de la positionner et voici ce qu'est le film en direct. Du coup les abonnés, voici l'emplacement de la caméra numéro 2. Ça c'est ce qu'est le film en direct. Il s'agit de mon couloir. C'est un couloir avec énormément de portes. On a tout d'abord toutes ces portes de placards. Voilà des placards qui sont fermés à clé. Ils sont vraiment fermés à clé. Regardez, là je les ouvre et là du coup je referme, hop c'est bon, voilà. À droite ici nous avons une porte qui n'est pas visible sur la caméra. Mais en gros c'est une porte qui mène directement à mon setup. Voilà, voici mon setup. Ensuite on referme cette porte et nous sommes de nouveau dans le couloir. Face à trois portes qui mènent à trois pièces différentes. Ici les toilettes, ici la salle de bain et enfin ici la chambre. C'est à chaque fois dans cette chambre qu'il se passe le plus de phénomènes paranormaux. Voici un petit peu à quoi ressemble la chambre. Je vais allumer la lumière, voilà, on va voir un petit peu mieux. Hop, let's go. Voilà, donc c'est à ça que ressemble la chambre. Et ici, il se passe beaucoup de choses paranormales. Bref, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne sur mon Minecraft. Du coup, les abonnés, on se retrouve sur Minecraft. Je vais vous montrer dès maintenant ce que ça donne les caméras en direct chez moi sur Minecraft. En gros, regardez, j'ai une petite tablette qui permet d'accéder à toutes les caméras qui sont dans mon appartement, dans la vraie vie, mais aussi dans Minecraft. Effectivement, regardez, j'ai des caméras un petit peu partout dans ma villa. Il y en a une ici. Il y en a une autre encore ici, dans le hall d'entrée. Il y en a à l'extérieur devant ma villa, une ici, il y en a évidemment un petit peu partout, hein, aussi à l'étage et encore une dernière et bien tout simplement dans le grenier. Regardez, je vais vous montrer, voilà, let's go. Donc voilà, vraiment j'ai des caméras partout et regardez, voilà, pour y accéder, rien de plus simple. J'ouvre ma tablette et j'accède aux différentes caméras. La 1 et la 2, elles sont reliées aux caméras réelles dans mon appartement et tout le reste, ce sont les caméras de la villa. Donc voilà un petit peu ce que ça donne les caméras de mon appartement. Ici, on a la cage d'escalier devant mon appartement, let's go, voilà. Voilà, nous sommes devant mon appartement. Nous avons une vision sur la cage d'escalier. Ensuite, nous avons la caméra 2 qui est dirigée vers mon couloir, là où il se passe le plus de choses paranormales. Let's go, nous sommes dans mon couloir. Pour l'instant, il se passe pas grand chose. Voilà, il faut se l'avouer, il se passe même rien du tout. Mais ça va changer, vous inquiétez pas, lorsqu'on va faire apparaître Huggy Wuggy. Et ensuite, comme je le disais, toutes ces caméras restantes sont reliées à des caméras qui sont situées sur Minecraft, sur ma villa. Du coup, voilà, ou dans ma villa aussi, regardez, il y en a qui sont à l'intérieur de ma villa. Voilà. Alors là on est toujours à l'extérieur. Nous prenons celle-ci par exemple. Voilà, nous sommes à l'intérieur de ma villa. Donc là on a un contrôle total pour savoir où est-ce que Huggy Wuggy se trouve. Et c'est extrêmement important puisqu'aujourd'hui voilà, le but de cette vidéo c'est que je vois de mes propres yeux Huggy Wuggy Poppy Playtime. Et du coup pour ce faire il va falloir provoquer Huggy Wuggy dans Minecraft pour qu'il soit encore plus vénère dans la vraie vie. Donc il va falloir vraiment savoir où est-ce que se trouve Huggy Wuggy. Et tout simplement, ah, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Attendez, il faut que je trouve cette caméra là. Let's go. J'y suis, je suis mort, regardez. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ça va faire? L'envergure du rongeur, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Chez moi, eh là, je vois pas grand-chose. Bon, let's go les abonnés. Le tableau, il vaut 2 millions d'euros. C'est résonnant, mais what? Bon, les abonnés, let's go, je vais changer de caméra. Donc voilà, il y en a un petit peu partout. On en a vraiment partout. On les voit, regardez, on peut les voir ici. C'est impressionnant, hein, les abonnés. On a vraiment une vision totale de l'intérieur de la villa. Et du coup, on pourra vraiment voir où est-ce que se trouve Huggy Wuggy dans la villa pour aller le provoquer et qu'il fasse des dingueries dans la vraie vie chez moi. J'ai vraiment très hâte de le voir IRL. Mais en même temps, j'ai déjà mon cœur qui commence à battre vite. Oui, qu'est-ce qu'il y a, monsieur YouTube? Donc, du coup, j'ai un message important du coup pour l'abonnement. Encore, tu connais la donne. Vas-y, 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 c'est quoi? Ah, c'est la poupée, c'est Huggy Wuggy rouge. Alors, let's go. Ouais, c'est Red, il dit quelque chose d'excellent. Huggy Wuggy, vas-y, let's go. Abonnez-vous, les zombies, sinon je vais mettre des claquettes sandales pour vous faire peur. N'oublie pas de liker, frérot. Eh, vous savez, les abonnés, vous savez que là, je suis en claquette chaussette. Hein. Lorsque vous allez voir des petits rushs de moi tout à l'heure dans mon appartement, je serai en claquette chaussette. Moi, je suis un adepte des claquettes chaussettes. Hein. Bon, du coup, voilà, comme l'a dit la poupée, abonnez-vous.
abonnez-vous, activez la cloche de notification pour de plus en plus d'aventures avec Huggy Wuggy et d'autres monstres dans la vraie vie. Voilà. La semaine prochaine, les gars, je vous spoil un petit peu, mais je vais aller en forêt pour trouver Huggy Wuggy et peut-être qu'il va se passer des dingueries, notamment The Scary Moon dans la vraie vie. Voilà, c'est dit. À 10 000 pouces bleus sur cette vidéo, à 10 000 pouces bleus sur cette vidéo, je fais tout pour que je voie The Scary Moon dans la vraie vie. Voilà. Donc ça va être incroyable. Là, vous êtes... ouais, vous venez d'entendre ça. Je sais que c'est un choc pour beaucoup d'entre vous, mais oui. Mais oui, ça va arriver les abonnés. Ça va arriver et plutôt que vous ne le croyez. Donc voilà, 10 000 pouces bleus sur cette vidéo, je fais ça. Un maximum d'abonnements pour continuer de suivre ces vidéos, pour ne rien louper des prochaines vidéos. Voilà, c'est important de rien louper pour continuer de suivre vraiment la série. Du coup les abonnés, c'est monsieur YouTube ici présent qui va se charger de faire venir Huggy Wuggy Poppy Playtime dans la maison. Alors comment est-ce qu'il procède? C'est extrêmement simple. Il a sur lui une poupée miniature de Huggy Wuggy Poppy Playtime qu'il va poser et ensuite il va faire des incantations autour de cette poupée. Donc voilà, c'est grâce à ça qu'on va faire venir Huggy Wuggy Poppy Playtime dans notre maison. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Koba? Qu'est-ce qui se passe? J'imagine qu'il faut se préparer à se battre, du coup, moi je suis un peu fatigué, je vais faire une sieste pour être en forme pour éclater Huggy Wuggy. Mais décidément, toi, en ce moment, t'es un petit peu peureux, à chaque fois tu veux pas venir. Fais-moi un top là. Vas-y, t'inquiète. Vas-y, à plus, Koba alors. À plus, Koba. Juste les abonnés, effectivement, il y a une vidéo hier soir qui est sortie où tout simplement Huggy Wuggy Poppy Playtime est devenu géant. Et là, vous allez me dire, mais comment est-ce que tu vas faire pour ramener Huggy Wuggy Poppy Playtime géant dans ta maison? C'est du suicide, c'est beaucoup trop risqué. Eh bien, les abonnés, non. Je vais vous expliquer quelque chose. Pour moi, le Huggy Wuggy géant que nous avons vu, c'est pas Huggy Wuggy. C'est peut-être un autre Huggy Wuggy. Et vous le savez, il y a deux Huggy Wuggy parce que lorsqu'on était allé dans le labyrinthe de Huggy Wuggy, il y avait deux Huggy Wuggy. Mais pour moi, c'est même pas un de ces deux-là. C'est carrément un autre puisqu'il avait une apparence différente. Il y a un bleu différent, une apparence différente, une tête différente. Voilà, il y a tout qui est différent. Mais du coup, ce Huggy Wuggy est bel et bien géant. Et regardez d'ailleurs quelque chose de très important. Voilà, il y a des tremblements de terre autour, faut faire très attention. Mais regardez, voilà, on se fait attirer, faut faire très attention. Voilà, la force est très puissante. Mais nous avons un Huggy Wuggy, regardez ici, terrifiant. Jérôme, voilà, je vais mettre au bord. Voilà, regardez, un Huggy Wuggy géant qui nous attend Jérôme, ici. Jérôme, pour combien tu sautes? D'ailleurs, les abonnés, on ira sans doute se faire manger par cette bouche là s'il y a 10 000 tout simplement pouces bleus. Et c'est quoi, t'as sur la vidéo précédente qui est sortie. Tu sautes dans le trou. Mais du coup, voilà, d'ailleurs, les abonnés, dans le trou. Je pense qu'il est temps d'aller faire un petit check couloir et escalier. Ouais, attendez, non, sautez pas à l'intérieur. Juste faire un petit check. Non, mais on va faire un combien? Moi, j'ai sauté, mais je suis revenu juste avant. Ouah, non, mais vous pouvez pas sauter, hein, t'es un menteur. Je suis allé sur le côté. Ouais, mais avec la puissance, normalement, tu peux pas. Non, y'a pas de cote à combien je saute. Bleu, j'ai trop sun. Je vais juste checker simplement caméra escalier et caméra couloir. Donc, let's go, je vais checker. Donc, voilà, là, on est dans les escaliers, les abonnés. Rien à signaler pour l'instant dans les escaliers. Alors, pour l'instant, voilà, la poupée de Guyugi n'a pas été invoquée, mais je vérifie quand même. Ensuite, on va aller voir couloir. Ok, couloir. Et rien à signaler pour l'instant. Du coup, oui, qu'est-ce que tu voulais me dire, Jérôme? Où est-ce que t'es, Jérôme? Ouais, attends, je suis parti au bunker. Ok, Jérôme, viens. Tu voulais me dire quelque chose? Ouais, vas-y. Ouais, en fait, c'est quoi? J'ai une petite anecdote. En fait, j'ai trop le seum. Parce que, genre, mode Angelo, il a donné des cours. Il a donné des cours de sorcellerie à monsieur YouTube. Oui, effectivement, oui. Et moi, j'étais censé aussi participer. Et t'as pas participé? Et là, genre, mode. Et là, je me rends dans sa chambre, etc. Pour participer. Et je reçois un coup de fil. Ouais. C'est le cuisinier de l'entreprise. C'est le cuisinier de la Pistou Enterprise. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, j'ai perdu la recette du pistou. What? Ok. Alors, j'étais obligé de me rendre sur place pour refaire la recette. Ouais. Et ensuite j'ai viré le mec. Et okay. Du coup j'ai pas pu participer. Du coup je peux pas faire d'incantation. Donc toi tu peux pas faire d'incantation. Ok, c'est pour les... Ok, d'accord, je vois. Mais du coup les abonnés, eh bien c'est à monsieur YouTube de faire l'incantation aujourd'hui pour faire venir Huggy Wuggy dans notre maison. Et que nous voyons enfin Huggy Wuggy, voilà, arriver dans la vraie vie. Puisqu'aujourd'hui on va énormément provoquer pour que je le vois, je le rappelle, de mes propres yeux. J'ai vraiment envie que ça se passe dans cette vidéo. Et ça va se passer, je vous le dis. Donc let's go. Diablo, vas-y. Du coup. Ouais, tu peux placer la petite poupée au milieu, ici, voilà. Ouais, bah c'est une réplique, du coup, c'est pas sûr que ça marche. Pourquoi c'est une réplique? Bah parce que l'autre était dans le trou. Ah, c'est vrai. Vas-y, place la réplique. J'espère que ça va marcher, en tout cas, les abonnés. Moi, je sais comment le provoquer, Huggy Wuggy. Bah, okay. Tout d'abord, en fait, là, j'ai ajouté quelques options. Du coup, j'ai encore appuyé sur un bouton, tu vois, elle va encore dire quelque chose d'important. Ok, vas-y, let's go, c'est parti. Wesh, gros, tu vas m'invoquer et tout, je vais tout casser, wesh, tout casser, boum, boum. What? Ok, vas-y. Bon, occupe-toi de faire les incantations. Je pense que les abonnés sont impatients de voir des choses un petit peu paranormales dans mon appartement. Du coup, dépêche-toi de faire les incantations, etc. On passe rapidement. Tu peux aller mettre sacrifier quelques trucs dans le trou parce que c'est comme ça qu'on va l'invoquer. Let's go, moi je vais continuer sur la caméra, les abonnés. Je suis dans mon couloir. En fait, la poupée, je vais l'acheter dans le trou et c'est comme ça que ça va qu'on va invoquer Huggy Wuggy. Ok, bah let's go. Alors, ok, vous allez jeter la poupée dans le trou et vous pensez que ça va faire. Mais vous faire des incantations, non, en même temps?
On va jeter du sang avec. Ok, ok, let's go, ok. Bon, les abonnés, ils vont jeter du coup, eh bien, dans la bouche de Giwegi là-bas. Et apparemment, ça va peut-être amener Giwegi dans notre maison. Donc ça, c'est cool. Ok, let's go. Ok, regardez là. Wow, c'est tellement effrayant. Par contre, là, les effets vont directement être violents. En fait, je crois qu'on va directement devenir aveugle. Ok, 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 ok. Bah, vas-y, let's go. Let's go, let's go. Vas-y, balance. Au cas où, Diablo, j'en balance. Maintenant. Moi, j'ai envie que se passe des choses là. J'ai une méthode. Ok, Giwegi. Vas-y, vas-y, tu m'expliqueras ça après. Juste après. Ok, on va balancer les abonnés. On regarde. Ok, je l'ai acheté. Par contre, il y a des gros tremblements de terre. Hein. Faites gaffe. Hein. Ouais, ouais, ouais. Faut faire attention. Vas-y, monsieur YouTube, balance la poupée. Je sais pas ce que t'attends. Bon, en même temps, ça tremble fort sur le bord là. Ouais, j'ai pas envie de tomber. Ouais, tu comprends. Fais attention, fais attention, fais attention à toi. Ok, vas-y, balance. Du sang déjà. Ok, balance le sang, les abonnés. Wow, j'ai entendu. Ok, ok. Wow. Les abonnés, ça commence directement très très fort. On se retrouve dans la villa. Venez, venez, on va dans la villa. Les oreilles, elles saignent. Eh ouais, mais je peux pas courir. Une fois qu'on est dans la maison. Attends, je vais dans la maison. Eh, c'est pire que je pensais. Ok. Je pensais pas que ça allait être aussi violent. Je vais checker les caméras de chez moi. Je check les caméras de chez moi avant. Ok, escalier. Rien à signaler, les abonnés. Rien à signaler dans les escaliers. Ah, lumière qui s'éteint, qui se rallume. Mais ça, on est habitué. On va checker couloir, les abonnés. C'est parti, couloir. Ok, rien. Porte du fond à droite qui s'ouvre. Les abonnés. J'arrive. Je vais checker ça, les abonnés. J'arrive. Les gars, premier fait paranormal. Et nouvelle fois, ça venait de ma chambre. Je vais vous filmer ça. Voilà. Ça vient de la chambre juste ici. Du coup, on va regarder s'il y a quelque chose à l'intérieur. Je me doute que non. Encore une fois, il n'y aura rien. J'ouvre cette porte. La lumière est déjà allumée. Ça, c'est très bizarre, les abonnés. La lumière est déjà allumée. D'habitude, la lumière n'est jamais allumée. On va re-rentrer à l'intérieur de la chambre. Enfin, on va rentrer à l'intérieur. Je suis désolé, je stresse. On va regarder derrière la porte. Il n'y a rien du tout, les abonnés. Bon, les abonnés, je vais ressortir et retourner à mon setup. Voilà, let's go. Quoi ? Les abonnés, la porte du placard, elle est ouverte ? C'est quoi ce délire ? Oh là 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 là. J'espère que vous avez vu. Je pense que mon monteur va vous mettre le rush. Lorsque j'étais simplement à l'entrée de ma chambre pour voir si la porte s'est ouverte, bah pendant que j'étais dans la chambre, je vais fermer. Attends, je vais vérifier quand même, c'est très inquiétant. Je vais vérifier l'intérieur du placard. Il n'y a rien du tout, les abonnés. Je vais refermer. Les abonnés, ça voudrait dire qu'il s'est possiblement passé quelque chose pendant que j'étais dans ce couloir. C'est la première fois qu'il se passe un fait paranormal pendant que je suis, eh bien, dans le couloir. Et ça se passe dans le couloir. Bon, je retourne devant mon PC, les abonnés. Ok, les abonnés, premier fait paranormal dans mon appartement. Ça commence extrêmement fort cet épisode. Et nous sommes toujours dans le noir. Ok, on va essayer de descendre dans la salle des abonnés. Venez, c'est là où on est le plus à l'abri. Et parfois, on est plus sous les effets. Bunker, là, on est plus à l'abri. Non, parce que le bunker, on est toujours sous les effets. Alors que là, tu vois, on descend très profond. Et du coup, au final. Wow. Y'a Poppy, y'a Poppy. Quoi? Y'a Poppy là-haut? Il est là, il descend. Ok. Il est là. Y'a Poppy Metal, les abonnés. Il est. Il est là. Ok, on descend. Ok, c'est par là. Courez. Gaz. Fais attention, monsieur. Fais attention, géant. J'espère que t'es pas cassé les jambes. Ok, c'est bon. Let's go. On voit rien en plus. Ok, il faut qu'on s'éloigne. Ok. On s'éloigne. Peut-être qu'on va plus être sous ses effets. Ok, on s'éloigne. Ok. Je pense que là, on est suffisamment loin de lui. Sauf s'il nous a suivi. Je pense qu'on est suffisamment loin de lui pour que les effets s'estompent et qu'on les ait plus sur nous. Ok, j'attends un petit peu. Ok. Ok, c'est bon. On y voit quelque chose. Ok. Il est temps pour moi de consulter caméra, simplement escalier et couloir. Du coup, c'est parti, escalier, let's go. Ok, lumière qui s'éteint, qui se rallume toujours, très effrayant. On va passer sur le couloir. Ok, porte qui s'ouvre. Oh, il vient de balancer ma tête de Diablo Fit 35 sur le sol. Attendez, j'arrive. Wow, là c'est hardcore. C'est-à-dire qu'il est forcément dans ma chambre. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, la team. Hein. Les abonnés, faut que je le chope. Je suis sûr qu'il est dans ma chambre. Regardez la tête, elle vient d'être balancée juste ici. La porte est ouverte. Ok, je suis à l'intérieur de ma chambre, les abonnés. Il a l'air d'avoir rien du tout. Je regarde un petit peu, mais il n'y a rien du tout, les abonnés. Peut-être derrière ma porte. Je vais regarder vite fait. Ok, rien derrière ma porte, les abonnés. Très étrange. Pour les abonnés, on va ressortir. Quoi ? Il y a personne, les abonnés. Mais c'est pas possible. Attendez, je retourne devant mon setup. Je vais remettre cette tête-là à sa place. Wow, là il se passe des choses vraiment étranges. Les abonnés, je suis de retour. Et déjà, l'un des faits paranormaux les plus marquants. Depuis, eh bien, que j'ai commencé les vidéos horreur sur ma chaîne YouTube dans la vraie vie, genre vraiment là, une tête lancée carrément de ma chambre, j'avais jamais eu ça auparavant, les abonnés. Vraiment là, on commence très très fort, on va dire qu'on commence extrêmement fort. Je vais juste checker maintenant les caméras de la villa maintenant qu'on est ici pour voir où est-ce que se trouve Huggy. Mais vraiment, je crois qu'on l'a vraiment bien provoqué en balançant la poupée dans la bouche de Huggy. Let's go, on va checker maintenant des caméras. Je suis sur la caméra 4, il y a une potion d'invisibilité. Diablo, j'ai une meilleure technique pour le provoquer. Il y a une potion d'invisibilité juste ici. Ouais, mais attends, j'essaie de checker où est-ce qu'il pourrait être. Ok.
pas de traces de Huggy Huggy. J'aimerais bien checker dans le grenier les abonnés. Jérôme. Je regarde un petit peu partout les abonnés. Pour l'instant, pas de traces de Huggy Wuggy. Ok les abonnés, je suis au deuxième étage. On va passer à la caméra du grenier qui est la 26. Il y a Huggy Wuggy, regardez, il est juste là. Oh, il vient de disparaître les abonnés. Ok. Alors Huggy Wuggy dans le grenier. Il est juste là. Mais what, c'est quoi ce délire? D'ailleurs les abonnés, j'ai l'impression d'entendre des bruits chez moi. Je vais vraiment checker la caméra. Ok, caméra 1, escalier, c'est parti. Oh, Huggy Wuggy arrive, Huggy Wuggy arrive, il est dans les escaliers. Ok, regardez, on le voit marcher. Ok, j'arrive. Ok les gars, rien à signaler. Je vais retourner dans l'appart. Les abonnés, je suis de retour. Je suis persuadé que Huggy Wuggy a réussi à rentrer dans mon appartement pendant que j'avais, genre, je voyais pas, tu vois. Enfin, j'en suis pas si sûr en vrai de vrai, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il est dans mon appartement maintenant, Huggy Wuggy. Les abonnés, là vraiment, la situation commence à être tendue. Il y avait rien encore une fois, mais je sens que je me rapproche tout doucement du fait que je vais le voir vraiment dans la vraie vie. Donc, on va rechecker ensuite sur les caméras un petit peu s'il est dans la maison. Ok, je suis à l'extérieur. Oh, il commence à faire jour. Ok, on va peut-être pouvoir sortir. Ok, il commence à faire jour, il fait jour. Venez, on sort. Venez, on sort tous. Mais t'es bolo. Ok les abonnés, vraiment la situation commence à devenir. Les abonnés, je vous avoue, mon cœur il bat à 2000 là. Je sens que là on se rapproche, ça va être incroyable. Quand je vais le voir, ça va être incroyable, mais en même temps ça va être tellement flippant les abonnés aussi. Genre vraiment ça va être incroyable et flippant. Je sais pas trop quoi en penser. Let's go, on est du coup Ok, il fait. C'est quoi ça devant nous? Koba va tuer Huggy Wuggy et Léo par la même occasion. Mais c'est quoi ça? C'est qui ça? Mais c'est qui ça? Eh, t'es qui toi? Mais non, mais c'est qui ça? Eh, vas-y, viens me battre. Mais c'est qui? C'est qui? Je sais pas, mais je vais l'éclater. Non mais en vrai des vrais, c'est qui ce mec? Tu veux triste, mais t'inquiétant aussi. C'est bizarre ce qu'on vient de voir. C'est un squelette d'animatronics. Bon les abonnés, on va continuer de checker les caméras un petit peu, voir si on peut pas trouver simplement Huggy Wuggy à un endroit ou à un autre. Les abonnés, du coup, c'est reparti pour checker les caméras de la villa. Caméra numéro 7. Ok, rien à signaler pour l'instant. Ok, caméra numéro 6. Y'a Huggy Wuggy! Y'a Huggy Wuggy! Wow, what the fuck! Mais pourquoi il finit d'un coup? Attendez, Ok, Où est-ce qu'on va? Bunker? Bunker! Ok, let's go! Et je vais checker du coup ensuite, eh bien, les caméras dans la vraie vie. Je vous ouvre le bunker, c'est bon. Allez, foncez! Ok, vas-y, let's go! Je suis à l'intérieur! Ok, je suis à l'intérieur du bunker! Jérôme, tu fais quoi? Okay. Jérôme, viens, c'est pas grave, attends, on check les caméras, je vais checker. Vas-y, attends, j'arrive. Je check les caméras à l'intérieur de mon appartement. Je vais checker directement le couloir, c'est parti, ok. Ah, y'a un gros. Porte de placard qui s'ouvre. What? Deuxième porte de placard ouverte, mais what? Attendez, les abonnés, j'arrive. Deux portes de placard ouvertes, c'est du jamais vu. Les abonnés, les deux placards se sont ouverts l'un après l'autre. Regardez, ça c'est le premier placard. On va ouvrir, voir s'il y a quelque chose à l'intérieur. Ok, il n'y a rien du tout dans ce premier placard. Voilà, on peut constater qu'il n'y a absolument rien. Et on va le checker dans le deuxième placard du coup, les abonnés. Ok, je vais checker quand même ici, mais en vrai, il n'y a absolument pas la place de se mettre là. Même là, en vrai, c'est pas possible. C'est pas possible, on le verra à la caméra. Je sais pas, c'est trop bizarre. Les abonnés, ces deux placards se sont ouverts. Et en plus, ces deux placards, voilà, qui sont fermés à clé. Donc voilà, ici, le placard numéro 1. Et de l'autre côté, nous avons le placard numéro 2 qui s'est ouvert juste après. Je vais retourner devant mon PC, les abonnés. Les abonnés, je suis de retour. Alors, ça veut dire que possiblement, il y a deux monstres chez moi. Parce que vous avez bien vu, deux placards s'ouvrir. Et on n'a pas vu de transition entre les deux placards. Et c'est pas possible qu'ils soient passés à travers le mur. Possiblement, il y a deux monstres chez moi. Je sais pas. On va continuer de checker simplement les caméras. Du coup, là, j'étais dans le couloir. Et là, on va passer du coup à l'escalier. Ok, let's go. Ok, pour l'instant, rien. Ok, what? Attends, c'est sûr qu'il est chez moi. C'est 100% sûr qu'il est chez moi. Ok, les abonnés. Les abonnés, la caméra est tombée. Je vais la remettre en place. Voilà, c'est fait. Les abonnés, je suis de retour. Très inquiétant. Diablo. Je pense vraiment que Kiwigi. What? Il est là. Oh là 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 là. Les abonnés, c'est l'un des épisodes les plus flippants que j'avais fait. Hein. Vraiment, c'est incroyable. Et je pense qu'on va pas tarder à le voir en plus dans la vraie vie. Ok, on retourne dans la salle des abonnés. C'est vraiment le meilleur endroit pour y aller. Ok, je vois rien là dans Minecraft. Ouais, mais Ah. Qu'est-ce qui se passe? Jérôme! Mais il est derrière moi! Il est derrière toi! Je descends! Diablo, je te couvre! Le bâtard, il fait une danse Fortnite! Je descends! Qu'est-ce que tu racontes? Je descends dans les. Je descends! Ok, je m'éloigne! Normalement, Huggy Wuggy, si t'es un homme, 1v1 Skywars maintenant! Là, normalement, les effets vont s'estomper, les abonnés! Les effets vont s'estomper! J'attends un peu les abonnés! Ok, les abonnés, on attend! Ok! Et où Diablo? Ok, c'est bon, je suis plus sous les effets! Ok, tout le monde est là! Ok, je vais pouvoir checker les caméras du coup. Et bien tout simplement de chez moi encore. Je check du coup caméra escalier, y'a rien. Caméra couloir,
Rien du tout pour l'instant non plus les abonnés. Ok, on va checker un peu les caméras de la villa. Caméra 12, rien à signaler les abonnés. Caméra 16, rien à signaler. Il y a Guillaume en échelle. Quoi? Quoi? Attends. Plume-le. Quoi? Il est là-haut? Ah, il est parti. Ok, je l'ai vu, mais... Ok, ah, les abonnés. Pas lui, monsieur, ok, les abonnés, j'ai entendu du bruit dans mon couloir. Je vais prendre mon iPhone et je vais aller. Je vais allumer mon portable. Ça semble avoir disparu, les abonnés. Mon cœur, il bat 200. Je suis complètement en panique, les abonnés. Ok. Ça venait de la porte là-bas. Je vais aller ouvrir vite fait. Ok, les abonnés, il a l'air d'avoir rien du tout. Et je pense qu'on va retourner devant le PC, les abonnés. Je suis en stress. J'arrive devant le PC. Les abonnés, après avoir vu ça, je pense, obligé d'arrêter la vidéo. On a enfin vu Ukiweki de... Enfin, j'ai enfin vu de mes propres yeux Ukiweki. Ouah, j'arrive même plus à parler, je suis terrorisé, les abonnés. C'est horrible. Je sais pas, est-ce qu'il fait de nouveaux jours à l'extérieur? Est-ce qu'il fait de nouveaux jours? Bah, je vais voir, je vais vérifier. Mon ref, il fait pas jour. On ne peut que savoir en y allant voir. Ok, on va attendre qu'il fasse jour, les abonnés. Bah non, il y a des caméras. J'espère ne pas crever avant la fin de cette vidéo. Ok, je reste un petit peu avec vous, les abonnés. J'attends qu'il fasse jour et que ce soit calmé. Ok, je vais attendre qu'il fasse jour et que ce soit calmé, les abonnés. Puis on va faire une petite ellipse, le temps de voir s'il fait jour ou non. Les abonnés, ok. Je remonte à l'étage. On va attendre un petit peu, les abonnés. Là, vraiment, ce que je viens de voir dans mon couloir, ça me terrorise. J'ai pas envie de... Diabolo, il est 7h, je crois que le soleil se lève. What? Ouais, y'a des bugs temporels vraiment dans cette vidéo. Hein. Le matin, c'était l'heure du petit-déj. Ok, les abonnés. Non, mais c'était le matin quand il a dit il faisait nuit. Ah, ok, ça va. Ok. Non, mais je suis allé checker avec mes caméras. Genre, matin, genre, summer. Pourtant, il faisait nuit quand je suis allé checker avec ma caméra. Et du café? Bizarre. Bon, en tout cas, les abonnés. On est à l'heure d'hiver, pose pas de questions. En tout cas, les abonnés. Épisode très flippant, mais en même temps, ah, je suis comme un ouf. C'est incroyable ce qui se passe, les abonnés, en ce moment sur mes vidéos. 10 000 pouces bleus, je vous le rappelle, on va chercher Guigui en forêt et potentiellement on va peut-être voir The Sky Moon dans la vraie vie. C'est incroyable. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. En fait, j'ai envie d'aller chercher d'autres monstres désormais. Donc, on va aller chercher Guigui dans la forêt, mais ça se trouve, il y aura même pas de Guigui, on va jamais le trouver dans cette forêt, mais il y aura peut-être The Sky Moon. Ça pourrait être vraiment stylé. Alors, attends, avant de faire quoi que ce soit, ouais. Attends. Tu as signé une lettre, tu vas dire, je lègue tout mon héritage à Jérôme. Okay. Non, je ne sais dire rien du tout ça. Bref, en tout cas. Un grand merci à toutes les personnes qui m'ont aidé à réaliser cette vidéo. Voilà, il y avait Scrimex, Jérôme, Koba, Zika, du coup. Oui, Jérôme. Voilà, il y avait aussi du coup Dipi, Tuluxis, Soka. Je crois que j'ai oublié personne. Un grand merci à eux. Il y avait Jérôme, ouais. J'ai dit Jérôme. Ah, Spartax. Il y avait Scrimex aussi. Scrimex, je l'ai dit, Scrimex. Les abonnés, bye tout le monde. Je vous aime et à très très vite pour de prochaines vidéos. Je les espère de plus en plus folles et de plus en plus effrayantes.